Bonjour à tous, une petite vidéo sur la méthode feeder, pratique assez simple. Pêche réalisée en Normandie pour cette première saison 2017. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage à tous et à très bientôt au bord de l'eau. Salut! It's a place where the small houses lean on each other. Small, small wooden houses facing the islands and the sea. And the sea. It's a place where the seagulls circle, hoping to catch some fish from the sea. In the harbor, rusty fishing boats coming in. Oh putain, j'ai pas le temps de boire mon café.
poisson et rouge de chaleur. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Watch me shine and fly. Et voilà ce qui se passe quand on s'organise mal. Et voilà. And the heavens cried. Our world torn asunder. Said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Sur un cheveu avec un petit élastique, une bague on va dire. Donc là c'est un écarteur, hein. Il y a différentes marques, j'aime Preston, mais il y a d'autres marques. Et c'est pas compliqué, hein. Écarter, mettez le petit appât. Là j'utilise un appât de chez Sony Bets, un peu des flottants, qui marche bien ici. Enfin, pour l'instant ça marche bien. Pas mal avoir compris le principe. Et puis là c'est des pelés. Hein. Des pelés pour feeder de la même marque, sur les Bets. Après, il y en a d'autres marques, hein. Mais j'adore ce produit, j'aime bien ces produits. Je n'ai jamais dit. Alors, on va être encore aussi précis que tout à l'heure.
c'est pas mal, je suis toujours à peu près dans la même trajectoire, c'est pas mal. Je suis décalé de 30 cm vers la droite. Hop, mon fil est coulé. J'ai plus qu'à poser. Pas compliqué la pêche, ça me manque. Pas eu le temps de voir la touche tout à l'heure. Dans le café, je voulais voir par qui il était. Et hein, ça c'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matos pour pêcher au feeder. Et voilà, j'ai encore une touche, je ne sais pas si vous la voyez. C'est impressionnant. Alors, je pense que c'est le poisson qui vient se frotter sur le pelé. Hein. Le poisson est sur le coup là, et il vient sur le pelé rapidement. Mais attends.